President, please be seated. Lead co-lawyer for civil parties, you may now present the key documents. Monsieur le Président, juste une petite précision avant de céder la parole. J'ai parlé auparavant de plusieurs procès-verbaux d'audition de parties civiles. Je voulais simplement préciser que ces parties civiles-là, en fait, ne sont pas parties civiles dans le dossier 2. Pour une question de terminologie, que ce soit clair pour tout le monde, les parties civiles dont j'ai fait état, ce sont des procès-verbaux de parties civiles, mais dans d'autres dossiers. Voilà, merci. Thank you. Le président, merci à l'accusation. Les co-avocats principaux ont la parole. Lead lawyer for civil parties. Maître Pik Ang. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, Your Madame, Honours, Messieurs les juges, all parties, je salue toutes les civil parties and the public. Les parties civiles I am et now le public. Presenting the à présent, key documents. Je vais présenter after the des co-prosecutor, I will read 10 civil party applications, and then Mary Guiraud will continue reading the written records of the interviews by the investigators of the OCIJ. Procès-verbaux d'audition établis par le BCJ. 11 written records of the interviews. Au nombre de now, 11. I would like to start the first civil party application, Tom Nga. Tout d'abord, Tom Nga. This civil party la première personne ayant formé une demande was forcibly de constitution de parti civil. Organized, was forced to get married. Cette personne a été contrainte de se marier dans la province de Pursat. She was forced to get married, as I said. And she was requested to voice the resolution during the marriage, and she was also forced to conduct or do hard labor during her pregnancy. Elle a été contrainte à travailler I would like dur now pendant quote the excerpt of her application, document E3/6433. At Eon in Khmer 00545432 English 01 32 06 26 through 27, and there is no French translation. And now we have requested the translation into French. Nous avons demandé une traduction I would like en now. Français. Quote some parts of her application in relation to her marriage in 1972. Quote, they arranged marriages ils ont in organisé groups des mariages collectifs in Damco dans village, le village de Damco, sector 4, sector 4, Metok Cooperative. La coopérative de Metok. After the wedding, après they did not mariage, allow us to stay together. Husbands worked and lived separately from n'ont pas pu vivre ensemble. Their les wives. Maris travaillaient et vivaient séparément. A unit chief, Chirin, forced me to marry a militiaman, Chum. À épouser un militien, Chum. But I rejected mais it. J'ai refusé. Later on, Om Chiran or Uncle Chiran said, Om you, Chirin Comrade Nga, dit, have to Nga, marry Comrade tu dois Pon. Épouser le camarade Pon for the sake of a companionship, because your parents are all dead. Parce que if you refuse to get married, morts. Just go and stay at my si location on Kang village. Viens vivre
At the time, my husband and I did not know each other at all. The wedding venue was on the road leading to Trang village in Damco village, where three couples, 17 April people, had to marry 17 April people, and the 18th base person married the 18 April based person. The 17 April people could not marry the 18 April people. We were asked to stand up and voice our resolution. We had to make a resolution that we, after the marriage, had to work harder to serve Anka and dare to sacrifice for Anka regardless of where either the husband or wife was sent to work as assigned by Anka. If they worked near each other, they could live together, but if not, they had to live apart. Ils pouvaient vivre ensemble, dans le cas contraire, non. The cooperative rice band was in Damco village. Along the road leading to Trang village, they mistreated people very badly. Le grenier de la coopérative était dans le village de Damco. If anyone herded the cow and the cow later died, he or she would be yoked in place of the cow. A man named Singh was yoked to plough and bow lao. Si quelqu'un gardait une vache et que celle-ci mourait, la personne, evacuees from Phnom Penh were sent to various units in the village. One or two families were sent to work in each unit. This depended on the density of the population in the village. In 1978, they assigned us as a couple to work in a children's unit and a mobile unit. My husband and I sneaked out to go fishing in exchange for rice in cooperatives. I became sick and suffered from hemoptysis because I was overworked after my delivery. Mon mari et moi-même, nous sommes partis en catimini pour aller pêcher et échanger du poisson contre du riz à la coopérative. The second civil party whose documents I will read out is Provinci. À cause de l'épuisement provoqué par la grossesse. Les interprètes demandent au convocat principal de bien vouloir lire plus lentement. Merci. Is E3. Pick Ang. Document suivant. E3, barre. Again, the document is E3/62-29A. At the Khmer EAN 0058-44-54-50251. And the English is at 01-18-47-47-08-08. And I'd like to read an excerpt from this civil party's application as follows. La demande de constitution de cette partie civile. Around January 1977. That is after the harvesting season. Après la saison des récoltes, I was forced to get married. J'ai été forcé in de me marier Rumlech village, dans le village Mohasang de Kokumchek, commune de Mohasang, which is currently Krohaing commune in Samrangton province, dans le district de Samrangton, province de Kampongspeu. At that time, there were 10 couples, à l'époque, and I was the 10th il y avait 10 couple, et j'étais le 10e. At the time of the wedding, I was a widower, age 35. À l'époque du mariage, j'étais un veuf, âgé de 35 ans. Also a unit chief came to ask me several times whether or not I agreed to get married. Si je voulais, si je consentais à me marier ou non. But I said no all the times. J'ai répondu par la négative à chaque fois. I rejected him two times. However, when he asked me
Again, j'ai rejeté sa proposition deux fois. Toutefois, lorsqu'elle m'a demandé une troisième fois pourquoi je ne voulais pas me marier selon les dispositions prises par l'Ankar, I agreed with them because I was afraid. J'ai finalement consenti parce que j'avais peur. I did not know my wife before. Je ne connaissais pas mon épouse. And I did not have any feeling for her. Et je n'éprouvais aucun sentiment pour elle. The couples who got married at the same time, including Ned, who is currently lives in Chiri village, comprenaient notamment Ned, qui vit actuellement au village de Chiri, commune de Tang Samran, district de Phnom Srut. This was really a forced marriage, since my wife and I were forced to marry one another, and we did not dare to refuse. Ma femme et moi-même avons été forcés de nous marier. Since we were afraid of being mistreated nous or killed, nous n'osions pas refuser par crainte d'être maltraités ou exécutés. And again, Mr. President, allow me to read some excerpts from another civil party applicant. Her name is Pan Suphip. She was forced to marry Cheng in Kok Buntie village, Kampong Chenang province. And the documents that I refer to is E3/62-48A. And it is the Khmer EN 0058. It seems there is a technical issue with the interpretation. President Officer, could you check with the AV unit regarding the French channel? Le Président, la Régie veut bien vérifier s'il y a un problème technique avec le canal français. President Litkolayer, you may resume your presentation. Maître, vous pouvez reprendre votre présentation. Maître Pekong. Allow me to repeat the information in relation to the information concernant Pan Suphip. Madame Pan Suphip. She was forced to marry Cheng. Elle a été forcée de marier Cheng. In Kampong Chenang province. Dans la province de Kampong Chenang. And the documents that I refer to. Le document auquel je fais référence. Is E3/62-48A. 6248A. At Khmer EAN. À l'URN en Khmer. 00 58 4 5 4 0 English. En anglais. 01 01 19 08 08 84 285 And there is no French translation. Il n'y a pas de traduction française. And allow me to quote the following. Je vais citer l'extrait suivant. At the start of 1978, en début 1978, nine other women, moi-même et neuf autres femmes, and I remember two of their names, that je me souviens du nom de deux d'entre elles, Match and Sobin, Match et Sobin, were forced by a female unit chief, ont été forcées par to get married le chef d'une unité de femmes, Nim, de se marier dans la coopérative du village de Kok Buntie. We were not informed of the event in advance.
Nous n'étions pas au courant de l'événement à l'avance. At about 8 p.m., we were told to join a meeting at the cooperative's eating hall. L'on nous a dit de participer à une réunion au réfectoire de la coopérative. Then we were paired up in a wedding ceremony. Puis, there were 10 couples. Nous avons été appariés dans le cadre d'une cérémonie de mariage. We were made to take vow to love one another and to respect Anka forever. Et j'aurais de nous aimer l'un l'autre et de respecter l'Ankara à jamais. Pan Peng. L'homme que j'ai épousé s'appelait Pan Peng. Il avait un an de plus que moi. After the wedding, we were allowed Après to le mariage, stay in the cooperative. On nous a autorisé à rester and dans la coopérative. At night time, we were assigned to work in our respective units. At night, the militia came to spy on us. Dans la coopérative pendant la nuit, nous avons été séparés pour travailler dans des unités différentes. When the Vietnamese army arrived, en journée, because we had la been nuit, assigned la to work far épier. From each other. J'étais séparée de mon mari lorsque l'armée vietnamienne est arrivée. Parce que nous avons été assignés pour travailler dans des régions éloignées, dans des lieux éloignés, les uns des autres. L'autre constitution de participer, c'est Nid Hun, sur le document E3-6344A. Which is her supplementary information. Il s'agit de son... And the relevant excerpt is at Khmer EAN 0058-05633. English. En anglais. 00-86-18-29. French. En français. 00-95-49-50. And allow me to read the quote as follows. Permettez-moi de citer. I was forced to get married Je cite, in j'étais late de me marier 1978 in Trapeang Noon Village, dans le village Kampong de Trapeang Noon, district de Kampong Trabeg. There were 40 couples. Il y avait 40 couples. And the Khmeros didn't ask whether we were satisfied with one another. Ne nous ont pas demandé si on était satisfait. And no couples were allowed to make any oral commitment. We were told that from that day onward, n'a été autorisé à prononcer we became husbands and wives. Les Khmer Rouge nous ont dit qu'on that était désormais mari et femme. Had organized and that we had to follow the directions and plans of Ankar. D'après le mariage organisé par l'Ankar et que nous devions suivre les directives de l'Ankar. And for interpreters, I will skip documents number 5 and 6. Je vais sauter les documents 5 et 6. And I refer to document number 7, that is from the list of documents that I sent to the interpreters. Qui figure and sur la liste the 7th document que is the third-party application of le Mr. Chum Thron, c'est la constitution de partie civile de Monsieur Chum Thron, who was forced to get married in Battambang province. De se marier dans la province de Battambang. And the document of Mr. Chum Thron that I refer to is E3 auquel je fais référence, English. En anglais. 01-01-00-14-93-93. And French. 00-00-93-93-36-92. And I'll quote the following. Je cite. In 1977, en 1977, they sent me to live vivre in Bakan Cooperative, dans la coopérative de Bakan, in Trapeang Chong Commune, dans la commune de Trapeang Chong. Upon my arrival in the cooperative, à mon arrivée the dans Khmer la coopérative, forced me Khmer Rouge to get married. M'ont forcé
along with the two other couples aux côtés de deux autres couples in Bakan Cooperative, dans la coopérative de Bakan, without any advance knowledge, and that we had not known each other beforehand. Nous ne soyons informés à l'avance. At that time, I was put to work in a plowing unit while my wife worked in a transplanting unit. J'étais affectée dans une unité de labourage et ma femme travaillait à l'unité de repiquage. Trois jours après mon mariage, they returned us to our respective unit, et nous ont renvoyés dans nos unités respectives. And I was not allowed to live together with my wife. Je n'étais pas autorisée à vivre avec ma femme. They allowed us to meet and spend overnight together every 15 days. Et de passer, and the next morning, we had to rush back to our respective unit. Et le lendemain, nous devions regagner nos unités respectives. And another civil party application that I refer to, and for the interpreter, that is document number 8. Une autre demande de constitution de partie civile. It is a civil party application of Madame Sampai, who was forced to get married in Kampong Cham province. Dans la province de Kampong Cham. And the document that I refer to is E3/66928 at the Khmer year 00 58 09 39 English en anglais 00 19 0947 and there is no French translation. Il n'y a pas de traduction française. And I'd like to read the following quote. Je vais lire l'extrait suivant. In 1976, the Khmer forced me to get married. Les Khmer m'ont forcé à me marier. In a wedding that they arranged for 102 lors couples d'un mariage qu'ils ont arrangé pour 102 rubber plantation. Dans la plantation des veilleurs de Chup. Before the wedding, they did not ask mariage, whether I was happy or not with the arrangement. Ils ne m'ont pas demandé si they simply said that Anka had arranged for the citizen to marry. Ils ont tout simplement dit que people avait were arranged to be married without regard for les their ethnic variety, my or Cham. Sans considération aucune, they mixed us all together in the wedding. Ils nous ont tous I said that I did not agree. À l'occasion du mariage, they threatened those of us who dared to disrespect Anka's assignment. Ceux d'entre nous qui so I decided to get married according to the arrangement by Anka. Since I was afraid that they would say that I did not respect Anka's policy. À la mission. After the wedding was over, militiamen were sent to monitor us. If they discovered that a couple did not get along well together, après they would call the husband or the wife for re-education. S'ils découvraient qu'un couple ne s'entendait pas, I recall that after being married for 7 or 8 months, je me rappelle qu'après 7 ou 8 mois de they mariage, began to arrest people and kill them without giving any reason. They simply said that they were taking them for re-education. Qu'ils les emmenaient en rééducation. And the next civil party application that I refer to, la prochaine demande de constitution de partie civile que je vais invoquer is of Mr. Ban Hap. Est celle de Monsieur Ban Hap. And the document number is E3/5986A. The civil party was forced to get married in Siem Reap province. Dans la province de Siem Reap. And I'd like to read an excerpt from his civil party application at de sa demande de constitution de partie civile à l'UNRN en Khmer 00581. There is no English translation for this civil party application. And for the French, the EAN is at 0121. C'est 0121.
9 9 9 9 8 6 8 6 to 8 7 8 7 And I'd like to make the following quote. In 1976, I was forced to marry a woman de me marier avec une femme named Mok Chun, appelée Mok Chun. And at that time, there were 30 couples à l'époque, il y avait 30 couples who were arranged to get married on the same occasion, and it took place in Damdaek village, Damdaek commune, Sonikum district, Siem Reap province. Cela s'est passé we were forced by the district committee Damdaek, district de Somnekom, province we had not known each other before. We did not agree to the arrangement. However, we could not avoid it. We were forced to sleep together for seven nights before we were separated to work in our respective places. Avant d'être séparés pour aller travailler sur nos sites respectifs. Until the present time, I suffered mentally because of the forced marriage. J'ai subi encore un préjudice moral en raison de ce mariage forcé. And the next document that I refer to is the supplementary information of a civil party, Yang Kong. And the document is E3/60683A. Mr. Chan Hon was forced to get Monsieur married Chan in Kampot province. A été forcé de se marier dans la province de Kampot. And I'd like to read the excerpt from the relevant document at Khmer EAN 0058-1228. There is no English translation, and the French EAN is at 01 30 80 86 38. And I'd like to quote the following. In July 1977, Tasum, the commune chief, and the unit chief, et Anne, chef d'unité. And Prin, that is the unit chief's name, organized a wedding ceremony for seven couples at Ang Romie Commune Hall in Chuk District, Kampot Province. Dans le district de Chuk, province de Kampot. And the arrangement for the wedding was as follows. La cérémonie de mariage s'est déroulée comme suit. The seven couples had to sit next to each other in pair. Devaient s'asseoir l'un à côté de l'autre. And we had to sit before the commune chief Tasum. Ils devaient s'asseoir devant le chef de commune Tasum. As well as before the unit chiefs and Prien. Et devant les chefs d'unité Anne et Prien. And then each couple has to stand up before ensuite, the commune chief to make commitments that we will work hard to serve the party, to serve Anka and not to betray Anka, de travailler and that we would not argue among ourselves in our marital relationship, de ne pas and that we disputer. Will strive to work harder to achieve 3 tons per hectare rice yield. Dans la vie conjugale et de s'efforcer de produire 3 tonnes de riz. À l'hectare. The next document that I refer to is again the supplementary information document of Civil Party Heng Bipair. She was forced to get married in Kampot Province. Ripek, qui a été forcée de se marier. And the document that I refer to is E3/6145A. C'est le document E3/6145A.
And the relevant EIN in Khmer is le at 0058 0374 0374. In English, en anglais, 0118 46 79. And I'd like to read the following excerpt. Je vais lire l'extrait suivant. In late 1978, enfin 1978, after the harvest season, après la des récoltes, I was forced, j'ai été forcé, by a village committee member to make a wedding resolution with a widower named Sui Gomtet, age 30, who was also a 17 April person. Âgé de 30 ans, qui est également un membre. I received information from Jaesok, who was my foster mother's daughter, la fille de ma mère and adoptive, Lai, who was my foster mother's niece, la nièce de ma mère adoptive, that I had to make this resolution, and that I should not refuse it. Je devais prendre cet engagement. They said that if I agreed to make the resolution, I could live in the cooperative, and I did not need to go to work in a woman's unit, and that might be easier for me. Et ce serait plus facile pour moi. Upon hearing that, I did not dare to refuse, although I had not known dès que my j'ai entendu husband cela, to je be. N'ai pas osé refuser, même si je ne connaissais pas mon futur mari. On the day, the wedding was arranged at 6 p.m. Le, ce jour-là, le mariage a été prévu, a été arrangé à 18h. Nous étions le seul couple à nous marier à cette époque-là. That night, they had my husband and I slept at my husband's house. Ils m'ont demandé, next morning, à moi et à mon mari, de I passer la nuit chez mon mari. Kind of le lendemain, secret j'ai vu de nombreux mégots de cigarettes à base de feuilles de sanké sous wall. Un anacardier près Suddenly, du mur. I realized that, j'ai soudain réalisé at night time, the militia que pendant la nuit, had come to eavesdrop on us les miliciens étaient venus nous écouter to check whether or not we would go along well with each other. Si and after making our resolution, we departed for our respective après work. Avoir pris nos engagements, nous sommes partis effectuer nos tâches respectives. President, please hold on. Le président, and veuillez counsel patienter. For you may proceed. La défense de Kusampon. Thank you, Mr. President. I'd like to correct. Monsieur le président, j'aimerais corriger the last statement made by the. La dernière déclaration de Maître Pekong. In fact, the lead co-lawyer used the word they, but in fact, they, in the document, the document refers to the commune committee, mais, le document fait référence and not they. Au comité de la commune, et non pas thank il. You for the correction. In fact, the handwriting Maître is difficult merci to pour read. Cette correction. L'écriture manuscrite est effectivement and difficile like to, à déchiffrer. Move on to the next document. Je vais passer au prochain that document. Is document is 6293. Which is a civil party application qui est une demande de constitution de partie civile of Madame King Chen, de Madame King Chen, who was forced to get married qui a été forcée de se marier à Trapengchong, in Pusat province. Dans la province du Pursat. And the relevant excerpts that I will read out is at Khmer 01-25-30-362-263 and at English 01 le RN en anglais 01-32-30-40-241 à 41 et en français 01-29-80-30-30. And I'd like to read the relevant excerpt as follows. Je vais lire l'extrait pertinent ainsi qu'il suit.
During the rainy season in late 1978, Khen Cheng was assigned to do farming in Kortoy village, Kortoy commune, aux travaux agricoles au village de district, Kampot province, commune de Kortoy, district de Kampot, province de Kampot. And the location was near Kortoy railway station. C'était près de la gare ferroviaire de Kortoy. While working there, I became to know pendant que j'ai travaillé, j'ai connu un homme, Kong Du, Kong Du, who was a railway worker, qui était un ouvrier du service de chemin de fer. In November, en novembre, at around 3 p.m., while I was harvesting rice, alors que je moissonnais du riz, le chef d'unité, Nyek, told me to prepare my belongings because I would be sent to Bosa province car the next day. Je devais être envoyé. Je devais aller dans la province de Pursat le lendemain. And that I would be sent by train. Je devais and y next aller morning, par train. I went to Kortoy railway station. À la gare ferroviaire and de Kortoy, met a man named j'ai rencontré un homme appelé Kong Du, who was a railway worker. Qui était un ouvrier. He told me du service that de chemin de fer, because il m'a dit I loved you, female comrade, and I proposed aime, to Anka camarade, to arrange for you to get married. De, and d'arranger he asked whether I mariage. Liked him or il I liked the arrangement, si and I replied that. Ou si j'étais satisfaite de my l'arrangement, parents j'ai and my répondu relatives, en disant que mes parents et les membres de ma famille were from this location, and if I were to be sent far away, et si l'on devait m'envoyer loin d'eux, and I did not say anything else. By 8 o'clock, the train arrived, and I boarded the train. Et je n'ai plus rien dit d'autre. Then à 20 heures, I le traveled train arrivé, by train je suis monté à bord for du train. One night and 2 days until I j'ai reached Trapintio railway station in Pursat province. Jusqu'à ce que j'arrive I arrived à la there at gare ferroviaire de Trapintio dans la province de Pursat. And 3 days after I had been there, a Khmer Rouge cadre, whose name was unknown jours, to me, 3 jours après mon me, arrivée, un cadre Khmer Rouge que je ne connaissais pas, Kong Du. M'a marié. I was the only couple moi, during Chen, the wedding ceremony, and the marriage nous was not celebrated à cette cérémonie in accordance with Khmer tradition. Ce mariage n'a pas été célébré selon les traditions Khmer. There were no wedding songs. Il n'y avait pas no de chants de noces. No clergyman. Il n'y avait pas de moines bouddhiques. Il n'y avait pas there was no presence of parents or siblings clergé, or other relatives. During this ceremony, de frères et sœurs, ni autres parents, au cours de the cette arrangement cérémonie, was for the bride and the groom to sit next to each other for about 30 minutes. Pour le futur marié de s'asseoir in front l'un près of five Khmer Rouge cadres. Devant cinq, and quatre after that, Khmer the bride and the groom par la suite, said that they agreed to be husband and wife. And dire finally, the cadres said consentait à être since marié et femme. Enfin, le cadre dit, wife, maintenant que vous êtes marié et you femme, must produce children vous devez for Anka produire in order les enfants to serve pour in the revolution. Pour servir dans la révolution. After I got married to my husband, Kong Du, après avoir épousé mon mari Kong Du, I worked as a railway worker. J'ai travaillé about one month later, that is in late December 1978, un mois plus tard, en fin décembre 1978, the Vietnamese soldiers attacked the Khmer Rouge. Les soldats vietnamiens ont attaqué les Khmer Rouges. But khnyom som I'd like to make correction to the EN of the document that just read out. The document is document ending 62 to 63.
Les ERN se terminent par 6-2 et 6-3. And I'd like to now read out the relevant excerpts of the last civil party. Je passe à la and the document that I refer to is E3/6212. This is a civil party application of Madame Nguyen Yeun. She was forced to get married in Kandah province. Dans la province de Kandang. The ERN in Khmer is at 00 52 34 36 2 37. And the French ERN is at 01 30 01 30 12 02 21. And there is no English translation. I'd like to make the following quote. Je cite. In 1976, I was forced by the Khmer Rouge Angkar to get married, but I refused. At that time, my father, Non Heng, whispered to me, "My child, you should get married, otherwise Angkar, the Khmer Rouge Angkar would take you to be killed." L'encart des Khmers rouges risque de t'emmener et de te tuer. I agreed to the assignment by the Khmer Rouge, that is to marry my second husband, who is my current husband, and his name is Yi Son. Nouvelle fois avec celui a fortnight after the marriage, that is on the 6th of June, le 6 juin, 1976, the Khmer Rouge separated my husband Yi Son to cut bamboos in Pim Tul village at an unknown commune and district in Kandah province. As for me, I was sent by the Khmer Rouge to an unknown village in Banti Dai commune, Kingsfai district, Kandah province. And I'd like to conclude my part on the excerpt of the civil party applications. And with your permission, Mr. President, I'd like to cede the floor to Mary Giraud to continue reading relevant information pour qu'elle présente d'autres from documents other documents. Thank you. Merci. President, International Lead Co-Lawyer, you have the floor. Le Président, la co-avocate principale internationale a la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Thank you, Mr. President. Good afternoon to everyone. Je voudrais préciser, comme je le fais d'habitude, que l'ensemble des informations contenues dans les constitutions de partie civile qui ont été citées par mon confrère Hong Pik ont été vérifiées par la section des co-avocats principaux. Je vais quant à moi vous présenter des PV d'audition de cinq femmes et deux hommes qui sont tous parties civiles dans le dossier 2. Une première partie de procès-verbaux d'audition concernant le mariage en tant que tel et enfin trois procès-verbaux d'audition pour attirer l'attention de la Chambre sur les préjudices spécifiques subis par les parties civiles qui ont été victimes de mariages forcés pendant le Kampuchea démocratique. Je voudrais commencer ma présentation de documents par le document E3/96662. Qui est un procès verbal d'audition de la partie civile Terry Keo, qui s'est constituée partie civile dans le dossier numéro 2 par le biais du document D22-2564. Cette partie civile détaille les menaces dont faisaient objet les personnes qui refusaient de se marier. Cette personne, cette partie civile, a été mariée
dans le district de Kampong Sim, province de Kampong Cham, en 1977. Elle a été mariée avec un homme du nom de Sok Pong. Et elle indique ceci à la réponse numéro 30. On lui pose la question suivante. Aviez-vous envie de vous marier avec votre conjoint? Réponse de la partie civile. Non. Je n'avais pas envie de l'épouser, mais l'encart m'a dit ceci. Camarade, si vous refusez, vous allez sur un autre chantier alors. Je n'avais pas le choix. Entendant cela, ma mère m'a conseillé d'obéir à l'encart, car elle avait peur qu'elle ne m'exécute. Dans ce régime, personne n'osait contester et tout le monde devait obéir à l'encart. Une autre partie civile a été entendue et c'est le document E3-9790. Il s'agit de la partie civile Chat Nate. Qui s'est constituée partie civile dans le dossier 2 par le biais du document D22-2152. Cette partie civile a été mariée dans le district de Batam, province de Pursat. Et elle indique ceci. À la réponse 92 du PV d'audition. Si vous voulez parler de viol, j'en ai été victime moi-même une fois. Comme je refusais toujours de me marier, ils ont fini par m'envoyer en amont. Ils ont voulu me violer, mais j'ai réussi à m'en sortir. Question. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à vous violer? Réponse. J'ai dû partir avec la camarade Rin parce que j'avais refusé de me marier. Ils m'ont tenu les propos suivants. Camarade, vous refusez de vous marier, on va être obligé de vous envoyer en amont. Un milicien nous a effectivement emmenés, moi-même et camarade Rin, travailler en amont. Quand nous sommes arrivés dans une forêt déserte, le milicien nous a demandé de nous arrêter. Soudain, le gars a saisi la main de camarade Rin en disant « Camarade Rin, venez un peu par ici ». Camarade Rin a suivi le milicien qui a dû la violer. 30 minutes après, ils sont revenus et j'ai remarqué que Rin a été violée. Ensuite, le milicien m'a demandé de pénétrer dans la forêt avec lui, mais je me suis agenouillée et je l'ai supplié en disant « j'ai mes règles ». À la fin, il a renoncé à me violer. Qu'est-ce qui vous est arrivé après que vous avez refusé de vous marier? Réponse 95. Ils m'ont envoyé travailler en amont avec la camarade Rin. Réponse 97. Lorsqu'on lui pose la question de savoir si finalement elle a été victime d'un mariage forcé, elle indique: oui, ils m'ont forcé à me marier. Au début, j'avais refusé, mais plus tard, mes amis m'ont supplié de me laisser faire. J'avais peur pour ma sécurité et celle de mes enfants, et j'ai fini par céder. Question. Ils vous ont forcé à vous marier après avoir tué votre mari? Réponse. Oui. Une semaine plus tard,
Ils m'ont forcé à me marier avec mon mari actuel, un veuf dont la femme avait été exécutée, elle aussi. Je voudrais maintenant lire un extrait du document E3-9786. Il s'agit toujours d'un PV d'audition d'une partie civile du dossier 2. Il s'agit de la partie civile Nan Mek, qui s'est constituée partie civile par le biais du document 2D22-1518. Et il s'agit ici d'extraits qui permettent de comprendre comment les personnes étaient sanctionnées après le mariage, lorsqu'elles refusaient de consommer le mariage. Nan Mek répond à la question suivante. Punissait-il les couples d'inconduite morale ? Réponse 119. Oui. Question. Comment définissait-il les fautes d'inconduite morale ? Réponse 120. Par exemple, ils persécutaient les gens qu'ils avaient mariés et qui ne s'entendaient pas. They targeted people who had gotten married but were not getting along. Elle décrit ensuite ce qui est arrivé à sa sœur cadette, qui a été mariée en 1977, et je me réfère aux questions et réponses 134 et suivantes. Comment a réagi l'Ankar par rapport à votre sœur cadette? Ils ont conclu qu'elle était hostile à l'Ankar parce qu'elle refusait de vivre avec son mari désigné par l'Ankar. Question. Mais était-elle obligée de consommer son mariage? Réponse. Elle a refusé de le faire. Question. A-t-elle eu des difficultés après s'être opposée ainsi à l'Ankar? Réponse. Ils l'ont passée à la rééducation deux ou trois fois, mais elle a persisté dans son refus. Ils l'ont finalement jetée en prison. Question. Où l'ont-ils rééduquée? Réponse. Dans la coopérative de Khmer. Dans quelle prison l'ont-ils enfermée? Dans celle de Trakraul. Combien de temps l'ont-ils détenue à Trakraul? Elle a été emprisonnée, puis a disparu jusqu'à présent. Vana Sorm est un homme, partie civile dans le dossier 2. Il s'est constitué par le biais du document D22-2748. Il a été entendu par les enquêteurs, et je me réfère au document E3-9825. Il a été marié en 1978 dans le district de Sankai, province de Battambang. Et il explique ceci. Réponse 81. J'ai été personnellement concerné par le mariage forcé. Ils ne m'avaient pas prévenu de cet événement. Ils avaient choisi des gens dans l'unité itinérante et ils les ont fait s'asseoir face à face, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ils ont marié alors 70 à 80 couples. Il explique enfin, aux réponses 103 et suivantes, le sort de son cousin, Huot, qui a refusé de consommer le mariage.
Qu'est-il arrivé à Uot? Et je suis à la réponse 104. And here I'm in answer. Après le mariage, Uot n'aimait pas sa femme, alors qu'il ne déplaisait pas à sa conjointe. Par la suite, Uot a disparu, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu. Question. Les Khmer Rouges ont-ils forcé Uot à se marier en même temps que vous ou un autre jour? Réponse. Ils l'ont forcé à se marier le même jour que moi. Quand Uot a-t-il disparu? Je ne me souviens pas du mois, mais en 1978, une semaine après le mariage, Uot a disparu. Question. Comment avez-vous su que la disparition de Uot était due au fait qu'il n'était pas amoureux de sa femme? Réponse 108. Il a disparu parce qu'il n'était pas amoureux de sa femme. Nous travaillons dans une même unité et j'ai entendu les petits chefs d'unité se raconter cette histoire. Après le mariage, j'ai entendu Uot dire qu'il ne voulait pas de cette femme comme épouse et qu'il n'avait évidemment pas consommé son mariage contrairement à l'ordre de l'Ankar. Je voudrais rapidement présenter quatre documents liés au préjudice, aux souffrances particulières des parties civiles de ce dossier en lien avec le mariage pendant le régime du Kampuchea démocratique, en commençant par Lon Lee, qui est un homme, qui est une partie civile du dossier 2. Il s'est constitué par le biais du document D22-3115. Lon Lee a été entendu par les enquêteurs, document E3-9769. Il était à Bakan. Et il était veuf quand il a été remarié par l'Ankar. Il indique ceci à la réponse 111. Question. Avez-vous connu des mariages forcés? Réponse. J'ai connu une fois après la mort de ma femme. Le chef d'unité a dit, au mois de mars de l'année 1978, on va vous marier. Le jour venu, j'étais le dernier à arriver. Le chef d'unité commenta. Camarade, vous n'êtes pas sûr que votre femme est morte? Alors, allez rechercher votre femme pour commencer. J'ai passé tout un mois à rechercher ma femme. Au mois d'avril, ils m'ont remarié, mais j'étais le seul couple à être concerné ce jour-là. La mariée avait amené sa famille et le chef d'unité m'avait emmené voir ma femme sur son chantier de travail à Chamkar-o. Question de l'enquêteur, étiez-vous content de vous marier? Réponse, non. Je n'étais pas content parce que je ne savais pas où et quand ma femme, ma première femme était morte. La partie civile Sopa Chesh, dont j'ai déjà parlé, a été entendue, document E3-9831. Elle a été mariée après l'arrivée des hommes de la zone sud-ouest dans le district de Sankai, province de Battambang. Elle indique aux réponses 99 et 100 qu'elle a été mariée avec 83 autres couples
en 1978. Et les enquêteurs l'interrogent sur les sentiments qui l'ont animé à l'époque de son mariage. Aux réponses et questions 112 et suivantes. Question. Étiez-vous heureuse de vous marier? Réponse. Le mariage ne s'est pas fait dans les règles de la tradition, ce qui faisait que je n'avais rien ressenti du tout. Question. Et votre mari, était-il content? Vous avait-il choisi comme conjointe ou pas? Réponse. Il n'avait rien dit du tout. Cela étant, un jour, il m'a confié ceci. Qu'est-ce que cela t'a fait de te marier sans solennité et sans musique? J'ai alors répondu, je n'ai rien ressenti du tout. C'était un peu fou. Quoi? Mon mari, plus tard, devait me dire qu'il ignorait tout le jour du mariage et qu'il n'était pas content. Keo Terry, qui a été marié en 1977 dans le district de Kampong Sim, province de Kampong Cham, a été entendu par les enquêteurs E3-9662 sur ce qu'elle a ressenti, elle aussi, lorsqu'elle a été mariée. Et elle indique en réponse 22 à la question suivante. Comment imaginez-vous votre mariage une fois que vous étiez grande? Réponse. Avant l'avènement du régime Khmer Rouge, d'habitude au Cambodge, c'était les parents qui couplaient les enfants. Ce n'était plus le cas sous les Khmer Rouges qui décidaient de tout. Avant que je ne me marie, un homme a demandé ma main à mes parents et à Ankar. Le jour du mariage, cet homme a pleuré parce qu'on l'a marié avec une autre fille. Il s'appelait Tri, et je ne le connaissais pas quand il a demandé ma main. Ma mère m'a questionné à ce sujet, mais j'ai refusé. Question. Auriez-vous été heureuse d'un mariage organisé par vos parents s'il n'y avait pas eu de régime Khmer Rouge? Réponse. Oui. Question. Qu'a répondu votre mère quand Tri a demandé votre main? Réponse. Elle a dit que cela relevait de la compétence de l'Ankar. S'il n'y avait pas eu de régime Khmer Rouge, elle aurait dit « Cela dépendra de ma fille. Elle ne me forcerait pas à me marier avec cet homme si je ne voulais pas. » Mais qui a décidé qu'il ne pouvait pas vous épouser? Réponse. C'était la camarade T, mon chef d'unité, qui est venu dire à ma famille que la camarade Rome n'était pas d'accord pour qu'il m'épouse. Elle a révélé que la camarade Rome avait prévu de me marier à Sok Pon, et elle a donc marié Tri avec quelqu'un d'autre, sans toutefois expliquer pourquoi je ne devais pas épouser Tri. Et enfin, et ce sera ma dernière lecture, un PV d'audition en anglais à l'attention des interprètes. Il s'agit de la partie civile Sokan Ket. C'est une dame qui s'est constituée partie civile par le biais du document D22-1261.
qui a été mariée en 1978, peu avant que les Vietnamiens arrivent. Et elle a été mariée avec un homme qui avait 19 ans de plus qu'elle et qui était aveugle. Elle s'est mariée au bureau de la milice. Et elle indique ceci, encore une fois, sur ce qu'elle a ressenti lors de son mariage. Et donc, je vais citer quelques réponses en anglais, en commençant aux questions-réponses numéro 83. Question. Question. What were your feelings like at that time? Qu'avez-vous ressenti à l'époque? Answer. I felt regret because I was not able to have a proper ceremony in accordance with our tradition. Question. Did you cry? Answer. Avez-vous pleuré? I felt very upset inside my heart. And I also secretly cried. But I did not let anyone know that I was crying. Question. Was it dangerous to show your upset feelings and to let people see you were crying? Dangereux de montrer que vous étiez contrarié et de laisser autrui vous voir pleurer. It definitely was. Réponse: oui, assurément. Question. After the fall of the Khmer Rouge regime, did you have a chance to seek a separation from your husband? Answer: de votre mari. I did not want any separation. Je n'ai pas voulu me séparer. Question. Why did you not want to separate from your husband? Réponse. Answer. Because he was also a resident in this village. And on top of that, I did not have any parents on whom I could rely. Question. When you said, because he was also a resident in this village, what did you refer to? Could you please explain? Answer. Because I did not want to have two or three husbands. In short, I did not want to remarry in my life. J'en ai terminé, Monsieur le Président. I have finished, Mr. President. Madame et Messieurs du Tribunal, en précisant que nous avons présenté aujourd'hui un nombre restreint presented today a limited number of parties civiles ou de PV d'audition dans la mesure où nous sommes en train de vérifier because we are des informations concernant des parties civiles que nous souhaiterions proposer pour l'audience sur l'impact des crimes. Donc nous avons préféré aujourd'hui vous présenter un nombre limité de documents pour nous réserver la possibilité de vous présenter les parties civiles les plus significatives lors de l'audience sur l'impact des crimes. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Thank you for your attention. I have concluded, Mr. President. President, thank you. Le Président, merci. Le co-lawyer for civil parties. It is now time for the adjournment. Le moment est venu pour nous de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats on Thursday, 8 September 2016, jeudi 8 septembre 2016 à 9h. And there will be no hearing tomorrow. Il n'y aura pas d'audience demain. Because the chamber will give this tomorrow time for the defense team to consacrera prepare cette the responses aux équipes de la défense to the presentation pour préparer of the documents by the co-prosecutor and the co-lawyers à la présentation des for civil parties. Security personnel are instructed to bring the accused back to the ECC detention facility and have them returned into the courtroom on 8 September 2016 before 9 a.m. The court is now agent de sécurité, veuillez conduire que sans pain non chair au centre de détention de CETC et veuillez les ramener pour l'audience du jeudi 8 septembre 2016. L'audience est levée.